Tu vois ces couleurs, ma fille? Oui, père. Nous avons traversé un fleuve plus vaste que l'Amazone pour les trouver. Quel dommage que nous ayons chaviré. Je revois ta palette se diluer lentement et rendre au vert émeraude le rouge des crépuscules. Je ne peindrai plus, tu sais. Rien ne saurait être aussi beau que cette féerie. Alors, celle qui gagne, tu abandonnes? J'ai déjà assez œuvré, mais ce monde est trop vaste. Écoute, j'ai aimé ma vie, vraiment. Il était évidemment de mon destin de dessiner mieux que la majorité des gens. Tout comme il est évidemment le destin d'autres personnes de raconter des histoires mieux que personne. Il en est d'autres qui sont manifestement faits pour chanter et danser, expliquer les étoiles dans le ciel, exécuter des tours de magie, devenir de grands hommes politiques, des athlètes, des... que sais-je encore? Tu ne dois pas te fatiguer, père. Non, écoute-moi jusqu'au bout. Cet état de choses remonte, à mon avis, à une époque où les gens étaient rassemblés en petits groupes réunis par les liens du sang. Disons, une cinquantaine ou une centaine d'individus au maximum. Alors, l'évolution, ou Dieu... ou autre chose, faisait génétiquement en sorte que ces familles restreintes eussent toujours besoin de quelqu'un pour leur parler autour du feu une fois la nuit tombée, quelqu'un pour leur peindre des choses sur les murs de leur caverne, quelqu'un qui, encore, lui ou elle, n'aurait peur de rien, quelqu'un qui, etc. Tu as de la fièvre, c'est le délire qui parle. Non, c'est ce que je pense. Et c'est ce que j'ai toujours pensé. Et bien sûr, pareille organisation de la société n'a plus aucun sens à notre époque. La télévision, la presse, les satellites, ayant au fait de n'accorder aucune valeur aux gens qui n'ont que de modestes talents. Celui ou celle qui, un temps soit peu doué, il y a 1000 ans de cela était considéré comme un bienfait du ciel par sa communauté, se retrouve aujourd'hui en compétition officielle avec les meilleurs. On ne veut que des champions et rien d'autre, et n'a plus qu'à renoncer et s'orienter dans une autre voie. Mais toi, tu n'as pas renoncé, n'est-ce pas? Oh, moi, ne plus avoir qu'une douzaine d'individus, mais attention, tous des champions dans les divers domaines où l'homme excelle. C'est la planète entière qui s'en accommode aujourd'hui. Vous n'avez qu'un tout petit talent. Vous feriez mieux de le mettre en bouteille et de bien la boucher. Peut-être pourrez-vous un jour, tout un chacun est enfin sous à la noce, vous lancer sans dommage dans un numéro de claquette, à la Fred Astaire ou à la Ginger Rogers, sur la table basse où l'on boit le café. On saura alors vous trouver le qualificatif que vous méritez. On vous traitera d'exhibitionniste. Tais-toi, père. Et comment vous récompensera-t-on? En vous assénant ceci dès le lendemain matin. Ah, dis donc, qu'est-ce que t'étais bourré hier soir? Silence à présent. Là... nous y voilà. Tu as bien travaillé, ma sœur. Tais-toi, oh tais-toi! Que ce soit d'une époque, d'une idée ou d'un être, un deuil reste un deuil. Tais-toi à présent. Regarde! Le dormeur s'éveille, c'est l'aube. Allez, un dernier pour la route. Si je lui fais pas cette faveur, c'est un assassin qui risque de s'éveiller. Vas-y, défoule-toi, mon bonhomme. Ici, tout est possible. Pas de morale, pas de tabou, le pied.